Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 2 novembre 2020, 16h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. L'intensification des euh, changements climatiques, la vitesse à laquelle on voit les changements se produire, c'est vraiment spectaculaire et c'est vraiment inquiétant. En ce moment, il y a plein de, on est en pleine saison, hein, des ouragans euh, de typhon aussi dans l'Asie, en Asie, en Amérique ici et, euh, même en Europe, il n'y a personne qui est épargné dans, et vous l'avez vécu, vous autres, les amis européens, hein, l'intensification depuis 3-5 ans, des tempêtes incroyables, des déluges qui vous arrivent, de la grêle qui tombe sur la tête des gens, euh, des tempêtes effroyables. Et ça, on, ça se multiplie, ça se multiplie partout. On a parlé tout à l'heure des temps, la nouvelle. Euh, Tempête euh, tropicale qui va se transformer probablement en ouragan majeur en allant vers euh, le Nicaragua. Ben, en Europe en ce moment, en plus d'avoir la saison aussi des typhons en Asie, dans le Pacifique. Ben, en Europe on n'est pas épargné non plus. Il y a la tempête Eden qui a apporté de fortes vagues et de fortes pluies au Royaume-Uni et en Irlande. C'est vraiment. Euh, et si des populations peuvent témoigner des changements climatiques, c'est bien les les amis européens, hein, avec ce qu'on voit en Italie, en Espagne, en Grèce, euh, en France et dans toutes les autres parties de l'Europe, des tempêtes depuis 3-5 ans d'une force euh, vraiment inquiétante. La tempête Eden a frappé le Royaume-Uni et l'Irlande le samedi 31 octobre 2020, provoquant de hautes vagues, des vents forts et des fortes averses en raison des intempéries. Des bateaux ont chaviré ou sont tombés en panne, ce qui a entraîné le sauvetage de plusieurs personnes à bord jusqu'à 8000 foyers et entreprises ont également été privés d'électricité en Irlande du Nord. Les vents violents apportés par la tempête ont coupé l'électricité à 8000 foyers et entreprises en Irlande du Nord. Un porte-parole, DBS ou DSB Network, a déclaré à l'Irish Time que les zones de Gnewdor et de Donegal étaient à l'origine d'une grande partie des perturbations avec, respectivement. 2332 et 2022 clients affectés. Plusieurs perturbations ont également été signalées dans d'autres régions de l'Irlande. Vous allez voir, je laisserai comme d'habitude le lien dans la barre de description. Des images assez spectaculaires en Écosse. Quatre personnes à bord d'un navire ont été secourues après que le navire euh, est tombé, euh, soit tombé en panne au milieu de l'assaut euh, de la tempête. Un canot de sauvetage d'Oban a remarqué le bateau vers la sécurité alors que les vents soufflaient à 96 km/h. Ailleurs, une alerte d'expédition euh, a été émise après la perte de 33 conteneurs par-dessus bord dans le euh, Pentland fifth, ou fifth, fifth. Le dimanche 1er novembre, l'Agence écossaise de protec protection de l'environnement a, a mis en place 22 euh, avertissements d'inondation, tandis que le Met Office a émis un avertissement météorologique pour des vents violents dans les îles occidentales. De nombreux ferries ont été annulés, tandis que les services ferroviaires à Glasgow ont été suspendus. Donc une autre, une forte, forte tempête. Hein. J'imagine que cette tempête-là, on attend une flambée de pluie aussi en Écosse suite à, à cette, au passage de cette tempête-là. Certaines parties de l'Angleterre connaîtront probablement un intermède de temps humide et froid. un avertissement météo jaune reste en place pour aujourd'hui. Donc vraiment c'est sans repos, sans répit. Donc je vous reviens avec les prédictions pour euh, les prochains mois, les prédictions de novembre entre autres pour euh, plusieurs régions, bougez pas.